Salut, c'est Damzou sur EU4. Ah tiens, c'est qui ça? Ah, les Anglais sont partis là-haut. Ouais, c'est rare qu'ils fassent ça. D'habitude, ils me laissent toujours ça. La trêve, c'est bientôt fini. Donc là, on a fait une petite avancée ici à Goujera, mais ça coûte très 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 cher. D'ailleurs, je pense pas que je vais laisser 40 000 hommes, ça fait beaucoup. 15 pour 15, j'en laisse que 6 cavaleries. Et je vais laisser 10 canons. Même pas 9, ça serait très bien. Et vous quittez le coin. Un groupe de 31 000 pour gérer Gougéra. Ça suffira largement. Ensuite, vous, du coup, je vais vous envoyer où? On va aller récupérer les troupes un peu partout ici. On va faire de la récup. J'ai des hommes partout, donc autant récupérer. Ce que je dis, c'est ma démonstration de puissance qui commence à chuter. Ouais, il y a encore beaucoup de conversions à faire. Gougéra, c'est en 91, c'est dans 9 ans. Ça avance quand même vite. Le Gougéra non Rayuse. Alors, au niveau de la discussion, et ben ça y est, ils acceptent de céder. Oui, en plus c'est pas bon signe parce que la Catalogne, elle a pas envoyé réellement ce qu'elle pouvait envoyer. Voilà, moi je veux juste piquer les colonies, c'est bon. Comme ça, on sauve ses hommes et ses navires. Et Pierre, il est content parce qu'il a des nouveaux trucs. Yogg, je pense que Yogg, c'est non, si je me souviens bien. Totalement. Donc, donnez-nous des points. Toute façon, il me faut des points. À ce niveau-là. Ça va être dans quelle colonie tout ça? Alors en fait, la moitié d'Aedas est dans la colonie du haut. Et ça s'arrête ici. Donc toi, par contre, j'ai la mauvaise nouvelle. Tu vas y passer maintenant. J'envoie l'armée. Vous êtes toujours des protectorats, j'hallucine. Franchement, à votre place, j'abandonnerai les statuts de protectorat. Parce que concrètement, ils peuvent pas vous protéger, faut assumer. Ils ont vraiment aucune compétence pour vous protéger, faites-moi confiance. Vu qu'ils ne se protègent même pas eux-mêmes. Cette armée pourra rester ici pour un deuxième round contre Malacca. Non, pas Malacca, contre Brunei. Avec 18 000 hommes pour gérer Brunei, c'est peut-être pas assez. J'irais bien m'installer là-haut. Moi-même contre eux, je peux avoir un cas de colonie, donc. Ce serait bien. Allez, je vais m'installer là. Je vais patienter ici. Ouais, hop, je peux pas faire plus. Bâtiment là. Bon, j'ai plus de sous. Trop de céréales. Évidemment qu'on a trop de céréales. D'ailleurs, moi dans le commerce. Au niveau des ressources, au niveau du céréal, où est-ce que j'en suis? Bois exotique, je suis pas loin. Coton, je suis pas très loin. Bah d'ailleurs, céréales, je l'ai pas.
Céréales, j'ai 15%, je suis pas loin. L'huile un peu au-dessus de moi. Le sel, je suis pas très loin. Ouais, il y a beaucoup de trucs, je suis pas très loin. L'ivoire, j'ai 42%, ça c'est énorme. L'or, j'ai 20%. Mais il n'y a plus de bonus sur l'or, ou il n'y a jamais eu. Ouais, alors qu'est-ce que je pourrais avoir? Le coût du développement, ça ferait plaisir. Ça, je m'en fous. Ça, ce serait pas mal le coton. Ça peut le faire sympathique. Le sel, ça, c'est pas mal aussi. Ouais, il y a des trucs pas mal. Qu'on peut encore obtenir si on veut. De toute façon, on va obtenir parce qu'on va continuer de pousser. Et je vous dirai même que bientôt, on va pousser beaucoup plus fort. Parce que le début du jeu, c'est toujours doucement et on finit toujours crescendo avec des guerres monstrueuses. Bon, puis on s'en fout. Tiens, prends-toi cette attaque-là. D'ailleurs, il n'y a pas une petite colonie qui a envie de prendre son indépendance? Non, elles sont trop faibles, ces colonies-là. Quasiment aucune chance de prendre leur indépendance. Et avec les attaques que je leur fais, elles ont vraiment aucune chance de l'être. Parce que j'arrête pas à les affaiblir. Et je les ai même lourdement affaiblis. Allez, Sourate. Ah ça, la noblesse locale. Ah ça, je déteste. Je déteste la noblesse locale. M'énerve. De payer autant pour un truc qui coûte 3. Alors, les bâtiments. Production. Ah, bah tiens. Une usine. Fac-fac, ça veut dire qu'on peut reprendre les colonies plus loin. Ah, on a été doublé par la Castille. Ça, c'est pas de bol. La tienne, elle finit ou pas? Non, donc on va rien faire ici. Ah, mais c'est peut-être le moment justement de passer là-haut. Et ça, justement, cette armée, en fait, je la vois plus en armée d'invasion. De ce pays que je connais pas. Beaucoup de rebelles ici. Ah, sentez qu'il me faut aussi que je prépare mon état client du coin. Parce que, évidemment, il faut un état client pour pousser par là, un pour pousser par là. Bah, c'est pas un souci, c'est avec nous on pousse facilement partout. Alors. Non mais sincèrement mec, je comprends pas, t'as toujours de moins en moins de soldats, comment tu fais? Tes troupes, tu les tues. Tu les tues, franchement, tes troupes, tu les tues toi-même. Je vois pas autre chose. Chaque fois que tu peux, tu tues tes soldats en fait. J'ai plus de conseiller, si. Ah, sauf que je peux pas le donner encore. 1700. Belle fortune les pieds noirs. Aéda. Ils sont alliés au Salish. Ok. Donc, subissez mon attaque pour commencer. Et ensuite, j'irai m'occuper de vous personnellement. Est-ce que j'ai programmé le retour ici? Non. Voilà, le retour est programmé maintenant. Donc ici, j'ai tout construit, c'est sûr. Entendre un chien qui limite s'arrache les poumons derrière vous, ça fait toujours plaisir. Il est bête ce chien. Voilà, donc là, ces bâtiments ont été améliorés à fond. Améliorés à fond, améliorés à fond. Celui-là, on attend qu'il arrive. Et là, j'ai pas accès.
Maintenant, je confirme que ma priorité, c'est d'abord de faire les fabriques. Où est-ce qu'il y a des facs qui seraient disponibles encore? Ici. Ici, ici, c'est cool. Ah bah j'ai fini déjà. Eh ben ça va vite les investissements. Hein. Même là-haut j'ai tout construit. Ça veut dire que ici maintenant il va falloir qu'on... Ah, il y a un bâtiment ici qu'on peut construire. Niveau 2, ok. Ah, j'ai plus de sous. Ouais, on va attendre de récupérer des sous de nouveau. Donc normalement, Aïda, ils vont devoir subir mon attaque. Et ensuite, j'irai envahir les Saliches parce qu'à mon avis, ils sont pétés de thunes. Oui, bon, bah 11 ans militaires. On compte pas sur eux pour imposer une grande résistance. Même je dirais qu'on compte pas sur eux tout court. D'ailleurs, les Saliches n'ont même pas bougé de chez eux, je crois. Première fois que je vois ça, quoi. Les mecs, ils ont même pas bougé un peu. Alors, on a un là, un là. On aura un ici en plus. C'est ici. Hop, rappeler. Je peux pas faire ici. Il me reste un mec là. Donc, tu vas aller bosser au hasard ici. On essaie toujours de développer tout le monde. Le canton et le Ningbo. J'aurais dit que c'était par là, moi. Le canton, c'est là. Et toi, t'es allé qu'à vue. Ah, ça, c'est intéressant. Dommage que j'ai commencé à m'installer ailleurs. J'ai plus les troupes pour. Pardon, enfin j'ai pas les troupes, c'est pas ce que je voulais dire. Commencez à vous déployer ici. Alors, évidemment à mon avis c'est des colonies de merde. Donc tu vas mettre 2000 hommes et ça là-bas. Dans les navires. Pour directement prendre le terrain d'à côté. Il y a encore quelques colonies à prendre. On a encore un petit peu de temps devant nous. Mais de moins en moins. C'est quoi ça? Oui, bon, bah la Catalogne, elle a de quoi gérer, hein. La Catalogne, je lui donne pas la main non plus. Déjà que Raguse, je lui donne la main tout le temps, ça fait un peu chier. Les colons, ils sont pas là avant 40 ans, donc les transporteurs se cassent. Enfin, ils veulent même se casser ici, en fait, ils iront moins loin. Défense des forts. Capacité de siège, ça peut toujours un peu plus servir. Je crois qu'ici tout est fini quasi. Bon, une bonne partie est finie déjà. Ah bah c'est bien les mecs, ils ont fui ces chalices quoi. Ils ont littéralement fui ces saliches. Et ben on arrive. Je vais juste vous piquer votre pognon. Vous êtes les dernières puissances du coin, je suis sûr que vous êtes les derniers riches. Il va aussi falloir que je prépare mon état client chez l'Afrique. Mais on n'y est pas encore. Bon, j'ai pas un petit commandant que m'a donné ici. 12 contre 16.
On va être un peu prévoyant. Tiens, on va coloniser ici. Et voilà. À mon avis, ça va suffire avec la Castille, enfin avec les Saliches pour avoir les points de victoire que je voulais obtenir. Donc Saliches, j'ai 0%. Pas possible ça. Ah bah excusez-moi, je vais faire le siège chez les Saliches. Avant, je vais envoyer une petite troupe ici. Voilà, de toute façon ici, il faut que je commence un peu mes colonies aussi. De toute façon, il faut... Je dirais de toute façon, il faut qu'on fasse des colonies partout, donc on n'a jamais le temps d'attendre. Alors... Non, toi, tu vas bientôt pouvoir acheter ton bâtiment. La fac. Toi. Je comprends pas, c'est pourquoi est-ce qu'il me harcèle avec ces bâtiments si on peut pas en construire. Ah, ici. Là. On peut faire de l'amélioration. Ça, c'est des nouveaux bâtiments. Ici, par exemple. Ok, donc toi, il n'y a pas d'usine. C'était bon à savoir, ça. D'accord. Et ben, tu vas faire du commerce. Je suis sûr que tu seras utile en commerce. Toi, tu vas t'améliorer. C'est perturbant par contre l'amélioration d'un bâtiment. Toi aussi, tu vas t'améliorer. C'est normal que ça coûte aussi cher. Ouais, c'est normal, ok. Ici, donc comme c'est de l'or, eh ben on va attendre d'avoir un peu de récupérer des sous plus tard. Donc ça, tout de suite, ça va à Kyritos. Et remarque, autant donner directement les deux à Kyritos. Ce sera pas perdu. Il va juste falloir qu'on se prépare à attaquer notre ennemi suprême, la Castille. Qui, encore une fois, va ramener personne. Personne d'important. De toute façon, je vais pas attendre la fin de cette guerre qui sert à rien. Voilà, donc, on attaque la Castille. Pourquoi est-ce qu'ils veulent pas venir ? Ramenez-eux, sincèrement, est-ce que j'ai quelque chose à craindre? C'est quoi l'armée du Portugal en ce moment? Alors, l'armée portugaise. Combien de dizaines de soldats on peut tenter? 43 000. Bon, en fait, c'est quand même beaucoup. Mais on s'en fout. On va dire prendre Léon. Voilà. Alors, toi... Les 37 000, vous passez en bas. Les 36 000. La France va nous donner un accord. Voilà, je vous dis, avec la France, on peut devenir pote. En attendant, il faut quand même que je paye ça. Je vais pointer ça aussi de l'autre côté. Réduire la surexpansion, ça fait pas de mal. Et ici, est-ce que vous êtes enfin bientôt prêt à arrêter les négociations qui servent à rien? Ça, c'était Munster, on s'en fout. Ouais. Les colons, ils sont tous un voyage de 40 milliards d'années.
Ça fait plaisir. Dix-huit vaisseaux lourds. Va falloir penser à ramener la flotte. Elle est où d'ailleurs? Elle est là. Bah venez. J'ai besoin de vous en Europe. Je vais commencer par vous regrouper. Voilà. Hop. On va améliorer la manœuvre des généraux. Comme ça, ils ressembleront peut-être à quelque chose, ces généraux. Ok, alors le général qui est ici, t'es viré. Alors Salish, je vais peut-être te prendre en solitaire du coup. Oh, t'étais un pauvre. Ça va, t'étais pas cher. Hein. Toi, la paix. Ah, toi, t'avais un peu plus de moyens financiers, ça fait un peu plus plaisir. Bah, les mecs, vous me prenez lui, vous passez en vitesse turbo. Vous aussi, à tous les coups, si j'ai envoyé la paix. C'est bon. Et non, ça sert à rien. Vous m'annulez ce passage vitesse turbo, vous attendez là. C'est qui veut rejoindre? L'Autriche? Ah, l'Autriche, je vais bien. Autant j'avoue, j'en avais rien à secouer des autres. Autant l'Autriche peut m'aider là-dedans. Surtout pour une fois qu'elle peut servir à quelque chose, on va pas se plaindre. Hein. Hockpit, rappelé. À mon avis, derrière, il y a directement la Russie. En avant. 50 000, waouh! Les Portugais, c'est les Portugais qui sont aussi nombreux. Ma flotte de guerre est en approche. Naples qui est tombé, c'est bien. On va passer à Salerme. Non, si. Colline, si jamais il veut se battre sur une colline, on sera bien. On va attendre l'arrivée de l'armée. Ah, et le combat a eu lieu. Zut. J'ai pas envie que ce combat. Ah, déjà cette perte, ça me plaît pas. Parfait, vous dégagez. 12. Salerme, c'est fait. Allez à Bari. La province, c'était bon. Là, normalement, tout est bon ici. Bon, bah, conclusion, repli stratégique au nord. Mais stratégique, stratégique, les mecs, hein, vous tracez. À mon avis, l'ordinateur, il va attaquer. Donc, on va juste suivre le mouvement. Non, il n'a pas attaqué. Ah, par contre, ici, je vais m'acheter un commandant en plus. Ça me fait rêver à quel point les commandants sont doués. J'ai jamais eu un seul commandant doué du let's play. Faut pas abuser les mecs quand même. C'est abusé. Vous, je sais pas quoi dire, mais...
essayer de survivre. Ok, j'ai deux colonies en cours que je vais devoir bouger. Donc, rappeler ici. D'accord, alors le mec il a bougé sur mon territoire, ça j'avais jamais vu. Napochi, c'était où Napochi? C'était là. Voilà. Pardon, j'ai donné un gros coup dans le micro, j'espère que ça a rien fait. Donc, ah bah là déjà on gagne quasiment pas. Ah si, on est passé sur le fil. Allez, vous me l'achevez tout de suite. Ça c'est des défaites qu'on peut rien y faire, auxquelles on peut rien faire. Aïe aïe aïe, à la Catalogne. Parfait, du coup dans cette armée là, vous me la coupez en deux, vous rejoignez le front là-bas, non, le général reste ici, c'est l'autre armée qui se casse, parce qu'il nous faut des renforts d'urgence là-bas. Le bloc de 50 000, il en impose quand même un peu. Pas trop non plus, faut pas le dire, mais avoir quelques troupes de plus, ça ferait jamais de mal, on sait pas, play est pourri. Oui, un conflit intérieur, on s'en fout. Ah, il bouge. Avec le fait que l'armée portugaise ait fui, on prend le combat direct. Ah oui, le problème c'est que vous, je vois pas où je peux vous faire fuir. On a buté l'armée de la Castille, cette belle prise. Et vous, vous êtes mort, donc je vous dis adieu. Dommage, mec. Mais bon, fallait pas signer dans la Légion étrangère, hein, c'était tout. Ah. On fonce au sud immédiatement. Ah, par contre, du coup, la colonie me fait très peur, là. Qu'elle finisse les mecs, allez. Alors. Tac, tac, acheter ça. Les facs. Un petit peu plus en haut. Là, c'est une amélioration. C'est quoi ce bâtiment ici? Ouais. Apparemment, je peux encore améliorer quelque chose, mais où ça? Ici. Ok. Ensuite, je peux améliorer où encore? Non, c'est pas là-dessus qu'ils doivent se baser, à mon avis. Pas là-dessus non plus. Ah, peut-être lui, non. Ah, oh, j'ai du mal à comprendre le système. À moins que c'est moi qui ai raté une toute petite île. Non. Où est-ce que je suis censé pouvoir faire ce bâtiment? Ah, c'est vrai que j'oublie tout le temps que j'ai les îles Midway aussi. Je sais pas où elles sont de toute façon. Mais à mon avis, c'est pas ça. La petite île que j'ai ici, sinon... L'amélioration du commerce. Ici. Peut-être ailleurs. Ici aussi. Ouais, bon, bah, j'ai fait ce que j'ai pu près. J'arrive plus à lire. J'y peux plus rien. J'arrive plus du tout à voir. Ma flotte. Eh ben, elle arrive enfin, quoi. Pas trop tôt, les mecs.
Toi, tu vas directement à Lisbonne. Toi, tu vas aller faire la capitale. Où est-ce que j'ai planqué ma flotte, au fait? Où est-ce que ma flotte est partie se faire réparer? Elle est partie se faire réparer là-bas, bah c'est une bonne idée. T'as bien fait de camper là-bas, mec, j'arrive. Zut, pourquoi t'as bougé? Moi j'étais prêt à négocier avec toi. Ok, vous allez réassurer le commerce de Gênes, les mecs. Alors, recherche, c'est quoi ça? Pardon, du prestige, on s'en fout du reste. C'était pas vraiment ce que je visais, on va plutôt attaquer là. On va remonter là-haut tout de suite pour tuer leurs quelques troupes qui sont en arrière. Là, est-ce qu'on va gagner la bataille? Lucanie, on l'a gagné. Léon, on a gagné. Du coup, avec la victoire en Léon, on va faire tac et tac. L'armée du pays, la flotte du pays de Galles. Et là, c'était chaud, on l'a eu. Ça me plaît pas. Avec des canons, il y a quoi ici? Ramène de l'infanterie aussi en soutien. Et je vais m'arrêter certainement là-dessus. Voilà, mais toi, fais-toi plaisir. Alors attendez, je m'arrêterai là-dessus. La bataille de Cadix, est-ce que mon armée sera là à temps? Elle n'a pas l'air, vous. Je pense que les renforts seront largement là. Attends, c'est gagné. Ok. Du coup, on se quitte ici. Et on se dit à demain. Ciao, ciao.